צדיק יסוד העולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגר ושמחה נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו מבוא יצחל אמן בשם השם נעשה ונעשה בוקר טוב בוקר אור שבת שלום ומבורך השבת כיסנוס בעזרת השם דברנו לטובה ולברכה לחיים ולשמחה לאהבה toutes les bonnes choses bezrat Hashem et que ces paroles de Torah soient pour la refoua Shelema de David Chaim Ben Noah de Sarah Bat Miriam Sarah Bat Sassia et pour la refoua de Rav Elazar Bandechai Ben Esther Yehudit Kenning et les l'avdil alfer avdanim lelu nishmat rav israël ben Chana pinto qu'on a perdu cette semaine un très 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 grand baal hesed. C'est lui qui avait construit l'hôtel Orot il y a quelques années à Ouman. Il est parti à 32 ans. Mais Hachem, il sait ce qu'il fait, il fait tout pour le bien. Baruch Dayan Haemet, Hachem, il fait tout pour le bien, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Hachem, il fait tout pour le bien, et même si on ne voit pas, même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas, il faut savoir qu'il y a des événements qui arrivent, et ces événements-là, ils ont un but, et ce but, il est bon, et malgré qu'on ne comprend pas, c'est quand même bien. Léo Nishmat, David Ben, Esther, Shua Ben Mesaouda. Tachmin Ben Chava. Voilà, et que tout le monde pense à qui veut penser pour les Nishmat, pour toutes les bonnes choses que la Torah peut apporter dans le monde. S'il vous plaît, on commence. Me va Hachem, juste un peu moins de bruit, comme ça on peut commencer. Il est à l'envers, encore. Tourne-le. Regarde si ça marche. Non mais regarde si ça marche, juste en haut. Non, mais ça marche pas à l'envers, moi. Ça marche normal. Non, ça marche normal, il est là normal. Lui. Moi je l'ai en normal. Hein. Ok, mais HMI, si toi tu l'as en normal, tant mieux. On va regarder, vérifier les messages pour être sûr qu'il est pas à l'envers au fur et à mesure. Si les gens... Dites-moi si vous voyez bien. Ok. Alors, Bezrat Hashem, Bessata Lishmaya. On va commencer le shiur. Donc c'est aussi la Hiloula aujourd'hui du Rambam et du Rabbi Yaakov Aboursera, un grand tzadikim des dernières générations, un grand scout, Bezrat Hashem. Asseyez-vous, prenez vos places. Ceux qui étudient Shini Michael Khatakoum, juste un peu moins fort, comme ça on peut étudier tranquille. Et comme ça on peut se concentrer, Bezrat Hashem. Alors, Rabbeinu, il y a un klal, il rapporte un klal qui a été rapporté avant lui par le Baal Shem Tov et avec lequel les grandes tzadikim, ils ont vécu toute leur vie. Et ce klal il est le suivant. Anochi Hashem Elokecha, c'est écrit je suis Hashem ton Dieu. Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, qui vous a fait sortir d'Égypte, Mibet Arvadim, de la maison d'esclavage. Et alors il se base sur ce verset Rabbi Nachman pour dire que chez Adam Yodea, qu'un homme il sait, chez Kol Meorerotav Hem Letovato, lorsque tout ce qui lui arrive c'est pour son bien. Zo Habechina Hi Me'en Leolamaba. Cet aspect là s'appelle qui vit dans le monde futur. Lorsqu'il sait, pas lorsqu'il croit, lorsqu'il sait. Adam, l'homme, yesh lo argasha, il a le sentiment, shel redifa, qu'on le poursuit tout le temps. Argasha, c'est qui illu metzikim lo, comme si on veut l'attraper tout le temps, et c'est ce sentiment qu'un homme il a en général. Rodfim oto, on court après lui, kilu mitnaklim lo, on veut lui faire du mal. Zohi argasha shemarchila et Adam bechol amatzavim leorer kol ha'chaim, à travers sa vie. En général, l'homme il va avoir plusieurs fois ce sentiment-là
qu'il y a plein de choses qui lui arrivent qui font que, comme si on courait après lui, comme s'il y a quelqu'un qui le poursuivait. Choser emun huko kagadol, et le manque de emuna qu'il va avoir à cause de ce sentiment-là, il est tellement grand, kol pa'am shochear shekol ma shenaasa ito, il est tellement grand qu'à chaque fois qu'il retombe dans la situation, il est... est-ce que ça fonctionne? Ok. Non, c'est rien ça. C'est pas grave, oubliez. C'est les Tserara, le Shiori, il doit être bon, c'est pour ça. On n'a pas commencé, il est déjà... Alors, il est à Choser Emun, le Emuna qui découle, le manque de Emuna qui découle de ça. Hu kogadol shi adam kol pa'am shochear shekol ma shenaasa ito ze rak letova shelo. C'est tellement un grand, le sentiment qui découle de cette, mais on avait parlé cette semaine du metzar, de l'étroitesse, qui découle de ce sentiment qu'on court après lui, qu'on veut lui faire du mal. Alors, il est tellement grand que kol pa'am shochear shekol ma shenaasa ito ze rak letova. Il oublie à chaque fois que tout ce qu'Hachem il a fait jusqu'à maintenant avec lui, c'était pour son bien. Un homme, qu'est-ce qui se passe quand il est dans la tristesse, quand il a une mauvaise nouvelle, ou quand il est dans une situation délicate? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait que maintenant il sent ce sentiment d'oppression, que comme quelqu'un qui lui court après, il n'a pas où s'en aller. Alors, ce sentiment-là, il crée en lui une sorte d'angoisse. Il fait descendre à ce moment-là son niveau de Emouna. Et en faisant descendre son niveau de Emouna, Bémet, Rai, demande-leur qui, je peux pas, Bémet, je suis désolé. J'arrive pas du tout, je suis désolé. En faisant descendre son niveau de Emouna, alors qu'est-ce qui se passe? Il oublie que tout ce qu'a fait Hachem pour lui avant. Il oublie complètement tout ce que Hachem il a fait pour lui. Et c'est le contraire qui doit arriver. Un homme, lorsqu'il est dans la difficulté, qu'est-ce qu'il doit faire, dit Rabbi Nachman? Il doit d'afka se rappeler tous les moments où Hachem il l'a sauvé. Tous les moments où Hachem jusqu'à maintenant il a été avec lui. Un homme, il perd son travail. Un homme, il apprend une mauvaise nouvelle, quelconque. Tout de suite, il va sentir le sentiment d'oppression. C'est normal, c'est naturel. Tout de suite, son niveau de Emouna, les questions vont commencer à apparaître. Son niveau de Emouna, il va s'éteindre, il va se diminuer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors Rabbeinu dit que l'individu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chercher dans sa vie les moments où ça a bien été, où Hachem il était avec lui. Il doit prendre... Et il doit commencer à y penser vraiment. Il commence à dire, ouais, tu vois, Hachem, j'avais pas d'enfant, et c'était difficile, et il m'a sauvé, il m'a amené un enfant, j'avais pas de travail il y a 3-4 ans, et je savais pas comment faire, et Hachem, finalement, il m'a trouvé un autre travail, j'avais pas de maison, je devais partir de ma maison, on m'a sorti de chez moi les pieds devant, et Hachem, regarde ce qu'il avait fait avec moi à ce moment-là, il a réussi à me trouver une maison facilement. Toujours comme ça, et comme ça tu te rappelles. Et si tu arrives, si tout seul ça suffit pas, tu vas chez un ami et tu dis, c'est Hachem, mais tu te rappelles, tu te rappelles quand j'étais dans telle situation, comment il m'a sauvé, comment il m'a sorti de là. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça te remet dans un état d'émouna avec Kadosh Baruch Hu. Et cette émouna là t'apporte de la simcha. Pourquoi? Parce que tu te rappelles qu'Hachem il a toujours été avec toi, que tu comptes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu es dans cette simcha-là, tu dois maintenant prendre cette simcha pour qu'elle avale le sentiment d'oppression que tu es en train de vivre. Il faut que tu prennes, dit Rabbeinu, la simcha que tu as eu dans ta vie, elle doit avaler, mamash avaler, le sentiment d'oppression que tu as maintenant et qui est en train de t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on a parlé beaucoup, ben pas beaucoup, mais on a fait un cours sur ça il y a une ou deux semaines, ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. C'est quoi la Hashgacha Pratit? C'est la providence divine. Hachem, il s'occupe du peuple d'Israël, de chacun d'entre nous, d'une façon, je sais même pas, il n'y a même pas de mots. C'est-à-dire que c'est seulement à 120 ans, mais c'est pas seulement ça, c'est, à 120 ans, on va comprendre qu'il n'y a pas un pas qu'on a fait qui n'était pas
dans le but et dans la dans d'abord un qui n'était pas permis par Hachem et deux qui n'était pas dans le but de notre bien absolu. Il n'y a pas un pas qu'Hachem, il n'y a pas un, il y a pas un, il y a pas, moi si je tourne à droite, même pas ma main, la façon dont je bouge mes mains, ça aussi ça faisait des choses. Il y a un principe que vous devez comprendre, qu'on doit comprendre. Rabbi Nathan il rapporte ça dans l'écouté à la Halakhot. Il dit comme ça. Il dit un homme il achète une voiture. Ok? Non il dit pas une voiture mais il donne je vous donne l'exemple de nos jours. Un homme il achète une voiture. Il l'utilise une année, deux années, trois années, cinq années. Et au bout d'un moment, la voiture, ça y est, c'est fini. Il doit changer de voiture. Soit parce qu'il a eu un accident, soit parce que la voiture elle a pété, soit parce que tu veux. Ce que tu veux en tout cas. Ou bien, il doit la vendre, ça y est, il en a marre de la voiture. Il en a marre. Un homme, il achète une maison. Il visite sa femme. Non, c'est sa femme. Des belles maisons. Non, c'est pas pour moi, j'aime pas, je me sens pas bien, etc. Il rentre dans une maison peut-être moins belle que celle qu'il a vue hier. Sa femme dit, ah, je me verrais bien mettre le lit ici, le salon ici, la commode ici, les livres de Torah ici. Elle se sent déjà chez elle. Un homme, il va au marché. Il va choisir des bananes. Il prend, non, pas celle-là, celle-là. Non, pas celle-là, celle-là. Pourquoi, il dit Rabbi Nathan. Pourquoi tu as choisi cette banane et pas l'autre? Pourquoi tu as choisi cette maison et pas l'autre? Pourquoi tu as choisi cette voiture et pas l'autre? Dit Rabbi Nathan. Ton âme, elle est chayar, elle est associée à des nitsotsot de Gdusha, à des étincelles divines qui sont répandues dans le monde. Toi, tu es venu dans ce monde, une partie, si ce n'est la majorité de ton tikkun, de ta réparation dans ce monde, c'est de récupérer ces nitsotsot, de prendre ces étincelles de Gdusha et de les élever, de les ramener en haut, de les extirper de ce monde qu'on appelle le monde du mal. C'est pour ça que, à la fin des fins, c'est-à-dire à la fin de la... Quand Machiach va venir, il va terminer le travail, ce monde, comme on le connaît, n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'on aura fini d'enlever les nitsotsot. On aura fini d'enlever quoi? Les étincelles divines. Et qu'est-ce qui permet que ce monde existe? C'est la présence d'étincelles divines. Qu'est-ce qui permet que la voiture, elle fonctionne? C'est qu'il y a dedans des étincelles divines qui permettent son bon fonctionnement. Vous appelez ça des neutrons, des électrons, vous appelez ça comme vous voulez. Vous appelez ça un atome. Mais un atome qui bouge comme ça tout le temps, comme, qui n'arrête pas de tourner, c'est une étincelle divine. C'est une étincelle. Maintenant, ils l'ont appelé, ce qu'ils voient, ils l'ont appelé un atome. Mais c'est une vitalité. Il y a de la vitalité que Hachem y donne. Maintenant, quand Hachem y donne ces vitalités-là, pourquoi il la donne? Cette vitalité, c'est une étincelle de lui qui doit revenir à lui. Et le peuple d'Israël, il est descendu pour les faire revenir à lui. Donc maintenant, toi, tu dis, tu sais quoi? Tu sais pas pourquoi vraiment, mais tu as envie de cette voiture. Tu veux t'en utiliser plein, mais c'est cette voiture qui est à toi. En vérité, c'est pas pour rien que tu as envie de cette voiture. Tu as envie de cette voiture parce que Hachem, il a mis dans cette voiture des étincelles divines que seulement toi, tu peux élever. Personne d'autre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que toi, tu vas acheter cette voiture. Et une fois que toi, tu vas finir le travail avec cette voiture, eh ben, ça y est, soit tu vas plus en avoir envie, et ici encore des étincelles divines, tu vas la vendre, ou soit elle va être à la casse. Parce qu'il n'y a plus rien à faire avec cette voiture dans ce monde. Il reste juste du matériel. Il ne reste plus la vitalité de la voiture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, ça y est, je ne veux plus de la voiture. La même chose avec l'appartement. L'appartement, il y a des étincelles divines. Toi, maintenant, tu rentres dans l'appartement, tu fais des brachot, tu étudies la Torah dans l'appartement, tu te comportes comme un juif, ou le contraire, des fois, tu fais des pires que ça. Tu as perdu des étincelles divines aussi. Quelqu'un, il dit Rabbi Nathan, qui prend une pomme, il y a une étincelle divine dans la pomme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux solutions. Soit tu sors, il n'y a pas trois solutions dans la vie. Soit tu dévoiles Hachem, soit tu caches Hachem. C'est deux solutions que tu peux faire dans la vie. Si tu te comportes d'une certaine façon, tu dévoiles Hachem. Si tu te comportes d'une autre façon, tu caches Hachem. Quand tu prends une pomme, une solution très simple. Si tu fais la bracha sur la pomme, qu'est-ce que tu fais? Tu sors l'étincelle divine. Tu la rentres en toi, maintenant tu vas étudier la Torah après ou tu vas faire une mitzvah. Au moment où tu vas faire la mitzvah, l'étincelle divine qui rentre en toi, elle remonte. Elle est récupérée par Hachem. Soit tu n'as pas fait la bracha ou tu as mal fait la bracha. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La pomme elle-même, au lieu de prendre de toi, au lieu de te donner l'étincelle divine, elle prend de toi.
Et quand tu vas aller aux toilettes, ça va repartir. Maintenant, cette étincelle divina, elle est éliminée. Il faut qu'elle revienne encore une fois. Il faut qu'elle revienne parce que toi, tu n'as rien fait et elle a pris de toi. C'est pour ça que le Rambam, il dit, parce que c'est la loi du Rambam, le Rambam, il dit qu'il faut toujours laisser un peu dans l'assiette. Pas manger plus. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il explique que quand tu es rassasié, tout ce que tu manges en plus, au lieu de te donner des forces, ça te prend des forces. Et on voit d'ailleurs, on est fatigué. Pourquoi? Ça te prend des étincelles divines, ça te prend de la vitalité. Normalement, la nourriture, c'est fait pour que toi, tu prennes de la vitalité. Pourquoi tu as besoin de prendre de la vitalité? Parce que maintenant, cette vitalité-là, elle va te faire. Tu vas l'utiliser pour vivre. Et comme ta vie, elle est kadosh, Baruch HaShem, tu vas monter les étincelles divines. C'est le travail que les Béni Israël, ils ont fait en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fait qu'ils ont travaillé la terre et qu'ils ont sué, etc. Maintenant, la question, elle est pourquoi ils ont sué? Pourquoi ils ont été tellement esclaves? Parce qu'il y a deux solutions. Une solution, ils auraient pu les laisser tranquillement. Et s'ils avaient fait comme les Lévis, on a dit déjà ce dimanche, ils auraient monté les étincelles divines juste en étudiant la Torah. Ils auraient mis leur labeur dans l'étude de la Torah. L'autre solution, c'est que ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Le seul problème, c'est qu'ils étaient dans la 49e porte de Touma. Ils seraient restés encore un jour de plus, ils ne seraient jamais sortis. Pourquoi? Pourquoi ils ne seraient jamais sortis? Parce que s'ils étaient arrivés à la 50e porte de Touma, ils auraient été plus capables, à 50e porte de Touma, ils auraient plus été capables de sortir les étincelles divines d'Égypte. À la 49e porte encore, ils étaient capables. 50e porte, c'est pourquoi un juif, il y a une étincelle divine dans toute chose qui existe. Dans le porc aussi, il y a une étincelle divine. Mais pourquoi c'est interdit de manger du porc? Parce qu'aujourd'hui, avec les forces qu'on a, un juif n'est pas capable de sortir l'étincelle divine du porc. Il n'est pas capable. À la fin des temps, le porc sera cachère. Si on mange encore du porc, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que c'est un animal tellement tamé que le juif n'a pas la force en lui aujourd'hui, avec ce que Hachem lui a donné, et la médecine du monde, et le monde, de sortir l'étincelle divine. Donc qu'est-ce qui va arriver quand le porc, quand il va manger du porc? C'est le porc qui va lui prendre de l'étincelle divine. Même s'il a, il sait pas plus que ce qu'il mange. Tout ce qui est non cachère, ça te tire vers le bas, ça te prend de la vitalité. Mais s'il mange cachère BMN, alors tout ce que ça. Et il mange, comme il dit le Rambam, qu'il laisse une portion à la fin, qu'il fait attention à ce qu'il mange, qu'il mange Bekdoucha, etc., etc., etc. Toutes les conditions de manger, par exemple, à manger, c'est un exemple, mais c'est vrai pour tout, pour la voiture, pour la maison, pour tout. Même là où tu marches. Rabbi Nathan, il dit, là où il marchait les Béné Israël, et aujourd'hui encore, là où on marche, ok, le Rav, il a dit, ici, avant ici, c'était, avant cette synagogue-là, c'était pas des trucs de massage, des trucs pas très bien. Cette synagogue-là, c'est pas pour rien que cette synagogue a été créée ici. Il y a des nitsotsot qui ont été tombés ici. Il y a de la touma qui est tombée ici, des nitsotsot qui ont été perdus, il faut les récupérer. Et quand on aura fini de les récupérer, le Rav, il aura sa binyan, je vous le garantis. Parce que Hachim leur a dit, ça y est, vous avez fini le travail ici. C'est fini, on a tout récupéré, allez autre part. C'est comme ça dans tout. Dans toute la vie, c'est comme ça. Le gars, il comprend pas, on le renvoie de son travail, il faut qu'il aille ailleurs. Il comprend pas, il dit, je comprends pas pourquoi on m'a renvoyé. Hachim, il a un plan qui est beaucoup plus grand que toi. En vérité, il est aussi grand que toi, c'est juste que toi, tu connais pas ta grandeur, tu connais pas ta force, tu connais pas ton travail. Mais Béhémet, un homme, c'est comme ça. Un homme, il doit être convaincu que Akol les Tovato, ça veut dire quoi Akol les Tovato? C'est quoi que tout est pour le bien? C'est que ça. Hachem, il a un plan. Il ne gère pas son monde Bémikré, comme ça, par hasard. Mikré, c'est Rak Mi Hachem, vous savez ça. C'est les lettres de Rak Mi Hachem. Que d'Akadosh Baroku. C'est Rak Mi Hachem. Mikré, c'est Rak Mi Hachem. Par exemple, hier, j'ai eu un chidouche, il m'a dit, le Rav Neria, il m'a dit Shofar, les lettres de Shofar, en Milouim, c'est-à-dire si vous prenez le Shin, c'est Shin Yun Nun. Etc. Le Vav, c'est Vav, etc. Si vous prenez les Milouim, c'est-à-dire les lettres supplémentaires, c'est En Yehush. Le Shofar, c'est la preuve qu'il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas de désespoir. Pourquoi? Parce que le Shofar, pourquoi on sonne le Shofar? Pour rappeler à Hachem, il y a eu un mérite, tu vas nous sauver quand même. Donc, dans tout, même dans la façon dont les mots ils sont faits, il n'y a rien qui est fait comme ça, Stam. Hachem, il a créé un monde d'une intelligence qui est inimaginable. L'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible de concevoir le millième du millième du millième du millième du millième des interactions que Hachem il fait dans le monde à chaque seconde pour que ça fonctionne. Mais tout est fait au millimètre près pour que toi, maintenant si tu passes à cet endroit-là, il y avait un étsot que tu devais récupérer en marchant. Peut-être tu disais une parole télim ou tu étais au téléphone, tu es en train de parler de Torah ou tu étais juste en train de penser à un shiur que tu as écouté. Juste ça, tu as marché sur la place, tu as récupéré le étsot de Gdusha là-bas.
Toi, tu dis, mais pourquoi je dois aller maintenant aller jusqu'à Ashkelon pour faire telle affaire, ou il faut que j'aille à Tel Aviv maintenant travailler dans tel endroit. Tu sais pas pourquoi. Toi, tu sais pas, mais Hachem, il sait. Et tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait, tout, c'est calculé pour ton bien. Mais pas seulement pour ton bien, pour le bien de toi, Israël, et pour le bien du monde entier. Tout dans le monde, c'est comme ça. Il reste quand même, Hachem a laissé aller les Hébreux jusqu'à la 42e porte. Oui. Parce que si ça... Alors, écoutez-moi bien. Si ça avait été... Alors, je finis ma réponse. Si ça avait été moins que 210 ans, il y aurait encore plus de douleur et plus de souffrance. Je vous ai posé une question, pourquoi il y a eu des souffrances? Parce que s'il n'y avait pas eu de souffrance, ça aurait duré plus longtemps. Donc, il a raccourci, mais il a intensifié. Eretz Israël, probablement, je sais que vous êtes... Monsieur Lévy pose toujours des questions sur la Shoah, mais probablement qu'on l'aurait récupéré beaucoup plus tard s'il n'y avait pas eu la Shoah. Moi, je suis pas, je réponds pas sur la Shoah, je connais pas, mais c'est évident qu'il y a un lien. C'est évident. C'est-à-dire, même le bête, il sait qu'on est sorti de la guerre, ils ont accepté les restes d'Israël. Je veux dire, même l'historien, il va te dire, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est évident qu'on serait, s'il n'y avait pas eu la Shoah, on serait rentré beaucoup plus tard en terrain d'Israël. C'est évident, c'est même pas une question. Et comme ça, c'est tout. Des fois, vous vous dites, il faut savoir une chose, par exemple. C'est qu'un homme, il attend une Yeshua. Il attend une délivrance. Il attend une délivrance dans la vie. On le sort de son appartement, il doit trouver un autre appartement. On le sort de son travail, il doit trouver un autre travail. Il attend de se marier. Il attend une délivrance. Il n'est pas marié depuis des années, il veut se marier. Il attend des enfants depuis des années, il veut, etc. Il faut savoir, en tout cas en Eretz Israël, qu'est-ce que ça veut dire que là, il y a une Hashgacha qui est pratite ? Ah, vas-y, il n'est pas chargé, il n'a pas chargé, il est parti sans charger. Vas-y, charge-le, juste là, tu le mets dedans. Et tu appuies dessus. Merci là. On s'excuse. Tu fais vite. Appuie ici. Non, ici. Hop. Voilà. Tu vois charger ? Super. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Il faut savoir. En Eretz Israël, c'est pas assez fort. Ouais, je peux pas. Donc, en Eretz Israël, il faut comprendre. Particulièrement plus. Rabbeinu, il dit que la terre d'Israël, c'est la terre de la Hashgacha Pratit. C'est la terre de la providence divine. Pourquoi ? Pas parce que Hachem, il n'est pas vraiment, il n'est pas ailleurs. Mais ici, il y a un principe que si tu as besoin, pour la plupart, hein, en tout cas pour ceux qui vivent vraiment ici, peut-être ceux qui ramènent des capitaux de l'étranger, c'est différent. Mais ceux qui vivent, ça ne marche pas ? Là, il s'est éteint, je crois, non ? Attendez une seconde, je m'excuse. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Normalement, ça devrait fonctionner. Même ça, c'est de l'âge pratique. Alors si, non, je vous dis, alors voilà, justement, ça répond à la question que j'allais vous dire, enfin, l'enseignement que j'allais vous donner. Le principe, il est comme ça. Le principe, il est que si vous avez besoin de déménager et vous devez déménager le 1er janvier, en Eretz Israël, Hachem, il va vous donner la maison, il va vous faire trouver la maison le 27 décembre. Pourquoi ? Parce que vous allez chercher, vous ne trouvez pas. Mais grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit votre Emouna. Parce qu'il y a deux solutions. Une des solutions, c'est que vous allez dire, quand vous allez chercher, vous allez désespérer. Ou une autre solution, vous allez dire non, à Kol Letova, Hachem il fait pour le bien. Alors que si vous avez trouvé tout de suite, comme en Rousselares en général, en Rousselares, tu trouves la maison un an avant. Pourquoi ? Parce que l'Hashgacha, ce n'est pas la même. Mais l'Hashgacha appartient à Israël, c'est une terre. Pourquoi Rabbeinu dit que la terre d'Israël, c'est une terre de Emouna ? Parce qu'elle te force à en avoir. C'est pas ici, les gens, hein, je ne parle pas de ceux qui ramènent des capitaux de l'étranger, mais ceux qui vivent vraiment ici, ils vivent au jour le jour pratiquement. Sérieusement, ils vivent au jour le jour. Tu te dis, je vois les Avrechim, même des gens qui travaillent, ils sont plus endettés que les Avrechim. Les gens qui travaillent, je ne comprends pas pourquoi ils sont plus endettés. Mais le principe, il est, tu as besoin pour la fin du mois, tu le reçois deux jours avant. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que Hachem, il construit ta Emouna. Je suis là, rappelle-toi que je suis là. Il veut construire toute la journée ta Emouna. Et ça, c'est le but d'Hachem. Il veut faire de toi un Baal Ma'amin, un quelqu'un qui a de la Emouna. Et à travers quoi il fait ça ? À travers la réalisation des projets, des projets au fur et à mesure de ta vie.
Donc ici, le Esh Moharan, il rapporte deux Gemarot. Une des Gemarot, c'est Mesaperet, vous savez, à Rabbi Akiva. Il y a deux grands Tanaïm, Mesaperem Lano al Shne Tanaïm, il y a deux grands Tanaïm, chez Zahulagia al Darga Azot, qui ont arrivé à tenir ce niveau-là de Akol et Tova. Ils voyaient ce niveau-là dont on parlera Benou dans les côtés Moharan d'Alet, que tout est pour son bien, et que donc il était déjà dans l'Olam Haba. Il y a deux Tanaïm, il dit, dans la Gemara, qui sont rapportés comme ça. Ma, hein? Exactement. Ma shagmara mesaperet lanu, Nachumish Gamzu, Verabi Akiva et son élève Talmido. Il y avait Nachumish Gamzu, c'est des histoires hyper connues, on va aller vite, parce que vous les connaissez. C'est ceux que les connaissent pas, ils iront voir dans la Gemara. Mais il y a deux histoires. Nachumish Gamzu Talmido. Rabbi Akiva, l'histoire elle est très connue, il est arrivé dans une ville un jour, il devait passer par là, dormir là-bas, il commence à demander à des gens. S'il vous plaît, est-ce que je peux dormir chez vous? Je peux dormir chez vous? Non, 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 non. Tout le monde lui dit non. C'est bizarre cette ville. J'ai jamais vu une ville où pas une personne qui veut me recevoir. On n'est pas à Sodome et Gomorre. Il a déjà détruit Hachem Sodome et Gomorre. C'est quoi ça? Il a dit bon, à quoi les Tova? Tout est pour le bien. Hachem, il fait tout pour le bien. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais il fait tout pour le bien. Tov. Il avance. Il dit ok, bah, qu'est-ce que je vais faire? Il avait un âne, une poule et une bougie avec lui. Il a dit bon, bah, écoute, je vais aller dormir à côté de la ville, là, dans le bois. Il dort, le vent il passe, il est dans la bougie, c'était pour étudier la Torah. Le coq c'était pour se réveiller à Khatsot. Et l'âne c'était pour transporter ses affaires. Il passe, première chose, la bougie elle s'éteint. Deuxième, il rallume, la bougie elle s'éteint encore. Jusqu'à qu'il finit les allumettes, ou je sais pas comment il faisait le feu. En tout cas, il a plus de feu. Le coq, il s'endort. Il y a un chien, ou je sais pas qui vient, un quoi? Un loup, un renard, je sais pas, il vient, je ne me rappelle plus exactement la mémoire, mais il vient, il mange le tarnégol, il mange son coq qui devait le réveiller. C'est bizarre. À quoi les tova, tout est pour le bien. Troisième histoire, il y a un grand bruit qui arrive tout de suite, l'âne il a peur, je sais pas comment ça se fait qu'il n'a pas bien attaché, il s'enfuit. Il se retrouve sans rien. Il dit bon, demain on verra, demain c'est un autre jour, à quoi les tova. Et il se rendort. Le lendemain il se réveille. Il voit de la fumée, il ne comprend pas. Il avance, il voit quoi? Que pendant la nuit, il y a des cosaques qui sont passés, ils ont détruit la ville. Et là, il comprend, il dit, je vous avais dit, à Kol Letova, je vous avais dit, à Kol Letova, quoi? Que si j'avais été repris dans la ville, je serais mort avec eux, à Kol Letova. Et comme ça, chacun d'entre nous, on peut raconter des histoires qui nous arrivaient, on a dit, wow, si j'avais fait ça comme ça, si j'avais fait comme ça, ça aurait été une catastrophe. L'histoire de Gigamzu, un peu différente, mais quand même très similaire. Ishgamzu qui était son maître, le maître de Rabbi Akiva, il est envoyé, c'était un grand tzaddik, et il y avait l'empereur romain qui voulait faire des problèmes aux Béné Israël. Donc les Béné Israël, ils ont décidé d'envoyer Ishgamzu qui était un grand tzaddik, ils ont dit sûrement lui, Hachim va lui faire des miracles, il va le protéger. Ils ont décidé d'envoyer Ishgamzu avec une sorte de coffre d'or et d'argent, pour lui offrir, pour l'amadouer, pour lui dire écoutez, soyez bien avec les juifs quoi. Ishgamzu accepte la shlichut, accepte d'être en envoyé. Il fait le chemin et en chemin, il s'arrête dans une auberge. Il demande une chambre, bien sûr, pas de problème. On lui donne une chambre, mais manque de peau. Enfin, on croit à manque de peau, mais en vérité, c'est pas du tout manque de peau. On croit à manque de peau. Et les propriétaires de l'auberge, c'est des voleurs. Donc, ils attendent qu'ils s'endorment. Ils comprennent que, attends, il vient avec un sac comme ça et tout ça. Il est en dessous de son lit. Il doit avoir quelque chose. Ils attendent qu'ils s'endorment. Ils récupèrent le sac sans le réveiller. Ils prennent tout l'argent, ils disent bon, pour pas qu'ils se rendent compte demain, on met du sable à la place. Ils ont mis du sable. Ils ferment, dit la Gemara, ils ferment, ils remettent en dessous comme si rien n'était. Ishgamzu, il vérifie pas. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il vérifie pas. Il y en a même qui disent que oui, il a vérifié en chemin, quand il s'en va. Et après, il était déjà très loin de l'auberge. Il dit waouh, ils m'ont volé, ils ont pris le sable. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On aurait paniqué, on aurait stressé, on aurait angoissé, on aurait dit bon c'est pas grave, alors je reviens à la maison, il faut que je récupère de l'argent. Il a dit non, c'est pas, il a dit à quoi les tova, il a dit lui aussi, tout est pour le bien, et son tout pour le bien, il le vivait tellement qu'il a dit pas tout pour le bien, c'est pas grave, je vais revenir chez moi, je vais récupérer de l'argent, non. Il a dit bon ben je vais avec ça chez le tsar, on verra bien ce qu'Hachem y fait. C'est sûr qu'Hachem il a fait pour le bien, que maintenant j'ai plus besoin du sable que de l'argent pour amadouer le pour Amadou le tsar, pour Amadou l'empereur. C'est ça qu'il a pensé. Il a pensé que c'est ça la médecine, c'est ça la réalité. C'est qu'un homme qui vit ça, il pense vraiment que ce qui lui arrive maintenant, c'est mieux que ce qui était hier. Le gars, il a perdu son travail, il dit Hachem, c'est mieux pour moi ça.
C'est bien mettre comme ça. Lui, il a maintenant, il a du sable à la place de l'argent. Comment il peut penser que c'est mieux pour amadouer l'empereur? Mais oui, il pense ça, il continue son chemin. Il arrive chez l'empereur, il réfléchit en chemin, en chemin, en chemin. Et là, il arrive chez l'empereur, il lui offre le sable. Évidemment, l'empereur, il veut le décapiter. Il dit quoi, tu te moques de moi, tu viens jusqu'ici pour me donner du sable. Tu crois que j'ai que ça à faire, du sable? Et là, Hachem, il envoie Mina Shamaim. Il lui dit non, ça c'est le sable magique de Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il a combattu les Cadrois, quand il a voulu sauver Lot, il a utilisé du sable. Comment? Il jetait le sable, ça se transformait en flèche et ça tuait les gens. C'est comme ça qu'il a gagné des milliers de personnes, lui tout seul, avec ce soir. Il y en a qui disent qu'il était lui, Eliezer, il y en a qui disent qu'ils étaient avec certains de ses talmidim, mais pas beaucoup. En tout cas, c'est grâce à ça. Il me dit, non, c'est le sac d'Abraham Avinu. Il dit, ok, on va vérifier, on a justement on est en guerre, et ça fait des mois qu'on traîne avec cette guerre-là, on va bien voir si t'as raison. Mais je te dis, si t'as pas raison, t'es mort. alors il me dit, ok, pas de problème. Il attend, ils le mettent en prison en attendant. Et effectivement, ils vont faire la guerre et ça marche exactement comme il a dit. Ils jettent le sable, ça se transforme en flèche et ça tombe exactement sur tous les gens qui y truquent. Les gens, le pays qu'ils sont en train de conquérir, ou en tout cas la guerre qu'ils sont en train de faire, ils ont tellement peur, ils s'enfuient. Ils gagnent la guerre en quelques jours. Et évidemment, le roi, il est mabsout, il est content. Il dit, wow, vous les juifs, vous avez toujours des solutions, vous êtes incroyables. Son opinion l'a complètement changé en même pas 24 heures. Il lui dit, attends. Il vient, il dit à son second, il lui dit, maintenant tu lui donnes 5 paquets comme ça, de 5 boîtes d'or et d'argent, et qu'il les ramène avec lui chez lui. En revenant, il s'arrête à la même auberge. Il fait semblant de rien. Lui, il dit rien, il fait semblant de rien. Il dit quoi, il t'a pas tué? Il lui dit non, il m'a pas tué, au contraire, regardez, j'en ai 5 de plus. Il dit pourquoi, comment c'est possible? Il dit, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, Hachem m'a fait un miracle. Hachem, il a mis dans ma boîte du sable d'Abraham Avinu, qu'on n'avait pas retrouvé depuis l'époque. Il lui dit, ah bon, ok. Il va voir son associé. Il lui dit, tu sais que derrière, dans le jardin, on a du sable d'Abraham Avinu. Il dit, ah bon, je suis pas au courant. Il dit, c'est du sable miraculeux. Et il lui a donné 5 pièces d'or à cause de ça. Il dit, ok. Et Gamzo, il revient en fanfaron, avec l'empereur, il l'a envoyé avec des escortes, etc., pour revenir chez lui, avec les juifs, il l'accueille, etc. Et en attendant, les deux gigolos, là, ils vont chez le roi, il dit, vous savez quoi, nous aussi, on a plein de sable d'or. Il dit, ah bon, vas-y, donne. Il réalise que c'est n'importe quoi, il les tue. Et toute l'histoire, elle s'est transformée, la Gemara raconte toute l'histoire, et elle s'est transformée les Tova. Maintenant, il dit ici, Adam Amin Shakol Zeletova. Quand un homme, il est béhémet, il vit cette metsiout là, il vit cette réalité là. Et même s'il n'est pas au niveau de Rabbi Akiva, ou il n'est pas au niveau de Ejigabzou, chaque effort que tu fais pour te convaincre, pour grandir ta emouna dans ça, c'est énorme pour les aux yeux d'Hachem. Adam amin shekol etova, v'adam amin shekol ma shekurelo b'chaim hu letova, mi mela hu lo tzarir bechlal leitgargesh mize. De ça, il doit sortir sa joie, qu'il va lui arriver du bien. Il ne doit pas commencer à se stresser à cause des choses qui lui arrivent. Il dit, quelque chose il m'est arrivé, c'est pour enlever mes péchés. Ou bien, il dit, il y a quelque chose qui m'est arrivé, les faire, au contraire, les désirs, ils craignent, grâce à ça, il va m'arriver encore mieux, j'aurai un meilleur travail, j'aurai une meilleure maison. Et même si la maison, elle est moins bien que celle de l'avant, mais toi, tu parles avec tes yeux à toi, parce que tu vois peut-être qu'elle est plus petite ou elle est plus que celle que tu avais avant. Mais sache que avant, il y avait des chédim, il y avait des trucs, il y avait pas. Là, tu auras plus de simra, tu auras plus de bracha, tu auras plus. Si tu vis ta vie comme ça, même si dans la médecine ou des choses, dans ce que tu vois, ça a l'air moins bien, sache que la réalité des choses va être meilleure. Même si tu as l'impression que ton nouveau travail, tu as perdu un travail, et ton nouveau travail, tu gagnes moins. Ouais. Tu dis, mais attends, je comprends pas, on a dit à Kol Letova, ouais. Et là, mais c'est pas à Kol Letova, je gagne moins. Ben non. Sache que si tu dois faire ça, ça te sera mieux pour toi. Soit parce que tu vas avoir plus de temps pour étudier la Torah. Soit parce que tu es en train de faire ton tikkun et tu es en train de repasser des nitzotzot que tu devais ramasser de toute façon. Soit parce que. Mais Hachem, Rabbi Nachman, il dit, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est forcément meilleur qu'hier. Attends, mais tu dis, hier, j'avais pas le problème que j'ai aujourd'hui. Mais toi, tu vois pas les choses. Mais sache que Hachem, il ne fait que mieux en mieux, en mieux, en mieux, en mieux, en mieux. Tu dis, même dans le monde, Rabbi Nachman dit, même dans le monde, c'est comme ça. Je dis, mais attends. La Shoah, c'est arrivé après les inquisitions. Tu vas pas dire que c'est mieux que ce qui est arrivé quand il y avait la paix. Oui, dans l'esprit d'Hachem, dans la planification d'Hachem, c'est mieux. C'est pour ça que ça arrive après.
Alors maintenant, on ne comprend pas, et je ne demande pas de comprendre, et personne ne demande de comprendre, mais il faut avoir de la émouna dans ça, parce que c'est ça une réalité. Et je vais finir sur une histoire. C'est entre guillemets bon pour le Seigneur, mais ceux qui sont morts là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent merci à Hachem en haut. Ça, c'est garanti. Mais bon, un, parce que tout celui qui meurt, qui touche Hachem, il n'est pas jugé, il monte directement au 7e ciel, c'est le Zohar. Et ça va partir de moment. Il faut avoir de la émouna dans la Torah. Si la Torah, la Torah elle est vraie, à partir de ça, on verra bien que ce sera vrai à 120 ans. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Nous, on vit. Moi, j'ai toujours dit, la douleur, elle n'est pas pour celui qui part, elle est pour celui qui reste. Quand quelqu'un, il part de ce monde, il a pas mal. Il est bien. Même ceux qui ont fait des morts cliniques, ils vous le disent. Même des Rechaim qui ont fait des morts, même des Goïm qui ont fait des morts cliniques, ils s'en sentaient bien. On a vu une lumière, je sais pas qu'est-ce qui exactement, mais moi je l'ai pas fait, alors je peux pas vous dire. Mais tout ce qu'ils racontent, ils racontent à peu près la même histoire. On se sentait bien, on sentait bien. Il y a quelqu'un qui m'a raconté. C'est reconnu dans la Torah le fait que les gens partent et reviennent. Tu sais. Les sadikim, ils montaient, ils descendaient vivants. C'est-à-dire ils faisaient comme ça, leur âme elle montait, ils allaient faire des choses, ils redescendaient. Le Baal Shem Tov toute la journée ils faisaient ça. Ils montaient en haut. Il parlait de Torah, il redescendait, et le Harizal la même chose. Une fois, il est resté une seconde, il a fait comme ça, il s'est réveillé. Le Harizal, il lui a dit, qu'est-ce que vous avez vu? Il lui a dit, en mille vies, je ne peux pas te raconter ce que j'ai vu en une seconde là-bas. C'est le Sadikim, il faisait ça. Encore aujourd'hui, il y a des Sadikim qui font ça. Mais des Aliyat Neshamot, c'est courant chez les Sadikim. Mais des bords cliniques. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il m'a raconté la semaine dernière. Il y a un groupe de femmes qui est parti à Oman. Ils sont partis à Oman avec le Rav Ifra. Il a fait un groupe avant Hanouka. Il y a une femme que son mari, il est parti. Il y a encore des batteries parce que c'est un moment. Ok, maman prochain. Alors, il y a une femme que son mari, il est parti à Rosh Hashanah à Oman. Écoutez cette histoire, elle est incroyable. Il y a une femme que son mari, elle est partie à Rosh Hashanah à Oman. Et depuis qu'il est revenu, il a fait tchouva. Eux, ils n'étaient pas tellement. Et il a fait tchouva. Le seul problème, c'est comme il a fait tchouva, ça ne plaît pas du tout à la femme. Ça n'a pas du tout plu à la femme. La femme, elle a dit quoi? C'est plus mon même mari. Avant, on allait au resto. Maintenant, tu veux tout le temps aller à la Gemara. Avant, on regardait la télé. Maintenant, tu veux plus regarder la télé. Avant, tu faisais ça. Et le gars, il a fait tchouva, les gamrés. Il a eu un électrochoc à Oman. Et jusqu'à ce que ça arrive à un matzav tellement difficile que la femme, elle a dit, je veux divorcer. Alors, la mère de la femme, elle lui a dit, écoute, avant de divorcer, va voir c'est quoi cette histoire-là de Oman. Va! Regarde, et si tu veux divorcer, après tu peux, mais ça c'est dommage. Ton mari il a fait tchouva, peut-être il y a une solution. Elle lui dit ok, donc elle a pris son billet avec le groupe de Rav Ifra, juste avant Hanouka. Moi je vous raconte compte ça, c'est une première main. Ma soeur elle était dans le voyage, donc elle était juste à côté de la femme. C'est une première main d'histoire. Et elle arrive, et ils font donc le chemin d'habitude qu'on va quand on va en Marne. On va chez Rabbi Levi Sarim Berdichov, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu, chez Rabbi Nachman. Elle fait tout le chemin comme ça. Personne, c'est une femme comme dans un groupe. Tout le monde est dans son coin. Et au début, ils ne se connaissent pas vraiment. C'est des voyages qui sont très courts. C'est 3-4 jours en général. En tout cas, et là, elle arrive chez Rabbeinu. Première chose qu'elle arrive en arrivant en Oman, elle dépose ses valises. Et elle va au Tzioun, là où est enterré Rabbeinu. Elle va au Tzioun. Et là, elle se met devant le Tzioun. Et elle dit à Rabbeinu, c'est à cause de toi que je vais divorcer. Elle dit, maintenant, toi, tu dois me montrer c'est quoi cette histoire. Et là, moi, je vous dis de première main, c'est ma soeur, elle était là, alors elle a vu l'histoire. Elle s'évanouit, la fille. Elle s'évanouit pendant 10 à 15 minutes. Ils appellent les secours et tout ça. Elle s'évanouit devant le Tzion. Elle s'évanouit. Et là, ils appellent les secours, etc. Les secours, ils n'y a rien à faire. Et elle va, c'est juste un choc. Elle va se remettre tranquille.